Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est dans cette mini salle de bain que nous sommes en train de construire que je vais vous montrer comment je vais essayer, je dis bien essayer parce que je ne l'ai jamais fait, de carreler la salle de bain, de faire les étagères, de faire toutes les finitions. Donc nous allons découvrir ensemble comment ça se passe. Eh bien, mesdames, vu que nous avons des mains très fragiles, nous allons tout d'abord commencer par mettre de l'huile sur les mains. On ne lésine pas sur les moyens, on prend l'huile d'argan. Et puis on va voir comment on va se débrouiller pour le reste. Voilà. On peut y aller. Bon alors, on va pas rigoler, j'ai pas réussi à trouver un mètre, donc ça commence bien. Donc je vais travailler avec ce petit truc là, et puis si au cours de route je trouve un mètre, ça sera peut-être mieux, parce que ça, pour mesurer, ça sera peut-être pas top génial. Alors, je vais commencer par faire comme m'a conseillé mon cher papa, c'est-à-dire tracer une ligne au crayon pour voir exactement où il va falloir passer, et puis surtout pour que ce soit droit, parce que sinon ça va pas le faire. Donc, par ici. Donc ça, ça fait à peu près 8, ils n'ont pas laissé de truc. Oh, ça va être pratique ça. Donc on va dire que ça fait 2 cm. Parce qu'en réalité ça fait 2,6. Mais comme ils n'ont pas laissé d'espace en dessous et que moi je compte en laisser un, et ben il va falloir que je me débrouille pour que ça soit comme ça. Donc la ligne, on va la faire exactement de là où part ce carrelage là. Et puis on va se débrouiller pour que ce soit droit jusqu'au bout. Ça va être magique. Ou est-ce que je soulève un tout petit peu? C'est la question du... Ouais.